Bienvenue les petits loulous dans ce nouveau numéro de Passion Talk, l'émission totalement débridée. Veuillez accueillir vos animateurs préférés, Chris et Patou. Ouais! Merci Chin Chin! Salut Chris! Salut Patou! Alors qu'est-ce qu'on a au programme de cette matinée totalement folle? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien aujourd'hui, nous avons une exclusivité dans notre émission. Nous allons parler du manga Golem, un manga très fidèle aux années 80-90. Et en même temps, c'est normal, on est en plein dedans. Et par le pied gauche, bien évidemment, ça porte bonheur. Il y aura bien sûr le moment cadeau, animé par votre serviteur. Eh ben tout ça c'est très bien, mais avant ça, Chris, on va regarder le classement, votre classement, que vous avez fait grâce au 3615 code POSHINTOX de votre Minitel. Et bien sûr, les trois premiers du classement seront obligatoirement diffusés ce matin. Allez, c'est parti, Chin Chin. En numéro 7, nous retrouvons Nicky Larson. En numéro 6, Ranma Demi. Et en numéro 5, Sailor Moon. Oula, il y a déjà du très très lourd en bas de classement, là. Eh oui, mais Chris, est-ce que ça ne voudrait pas dire que les autres sont de top qualité au-dessus? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En numéro 4, Dragon Ball en perte de vitesse. Oula, non, ça pue, là. En numéro 3, Clémentine. Oh là là, du lourd. Mais alors, du lourd à digérer. En numéro 2, le fameux Rémi sans famille. Non mais sérieux, vous voulez voir ça dès le matin, là, en buvant votre choco? Qu'est-ce qui va pas, les gosses? Et le numéro 1... Mais allez, Chin Chin, balance plus du Dragon Ball Z, c'est ce qu'on veut. Désolé les gars, princesse. Non mais sérieux, il est même pas dans le classement. Non, c'est pas possible, Chin Chin, il faut... Bien, j'y crois, alors qu'il est temps de lancer le générique. A tout de suite, les loulous. Je prends ton chien et je le baisse. T'entends? Je le baisse. Je le baisse. Même ton chien. Hey, mais qu'est-ce que tu tiens donc là, Chris? Un manga! Mais c'est quoi? Un manga? Un manga, c'est une bande dessinée de nos amis japonais. Ils se lient dans leur sens de lecture à eux, c'est-à-dire de droite à gauche. Ce sont des tomes de à peu près 200 pages, souvent en noir et blanc, et qui parlent de tous les sujets possibles. Et c'est souvent grâce au manga papier que nous avons de super dessins animés. Alors les gars, ça vous plaît? Mais... c'est tout de même étrange! Ils lisent à l'envers! Du coup, ça veut dire que... si je commence par là, et que je lis, je me fais gâcher la surprise. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce manga? Eh bien, ce manga a été créé par trois Français. Oui, Alexis Talon au dessin, Amandine Tagliavini au scénario, et sous une idée originale de Frédéric Zolfanelli. Et du coup, eux aussi, ils écrivent à l'envers. Ben, c'est du précurseur. Nous allons voir ça en détail, alors. Hop, hop, hop. Pas si vite, Chris. Chose promis, chose due, nous allons donc diffuser votre numéro 3. À savoir Clémentine. Allez, on lance le magnéto. Lance-moi une corde, Tintin. Son avion, il faisait vroom. Et après, il a fait boum. Depuis, elle peut plus marcher. Mais elle peut quand même respirer. Golem, bah, c'est l'histoire de Luko, un jeune homme chasseur de reliques, fine lame et coureur de jupons. Bah, c'est quand même drôlement précis comme indication. Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le manga lui-même dans la description des personnages. Du coup, je peux présenter l'autre personnage qui s'appelle Ime, une chasseuse de reliques, voleuse et enquiquineuse de haut niveau. Okikineuse, tiens. Donc, nos deux compères, après une altercation des plus gratuites et des plus musclées, partent à l'aventure en quête de richesse et de gloire. L'aventure avec un grand L apostrophe. C'est alors que par une nuit des plus calmes, et ça a son importance, vous verrez par la suite, Luko décide de monter sur une tour pour faire le paix. Et c'est alors que il a ce qu'on appelle un retour en arrière. Ou un flashback selon les Américains, mais on s'en fout. Et là, il crie le nom de sa copine. Ime! Et là, il passe en mode berserk, il prend son épée, il la plante dans le mur et il fait s'effondrer la tour. Et vous allez me dire, pourquoi? Eh bah pour lancer l'intrigue. Eh ouais. Il y avait sans doute de meilleures façons de découvrir un temple qui est censé être perdu depuis des millions d'années.
ou des milliers, ou peut-être une petite centaine, ou peut-être une dizaine comme ça. Mais bon, c'est déjà pas mal quand même, une dizaine d'années, vous vous rendez compte? Ce qu'on a le temps de faire en 10 ans. On a le temps de se marier, on a le temps de divorcer, on a le temps de devoir une pension. Mais passons. Et là, après que nos deux héros aient exploré les ruines minutieusement, eh bien nous avons une scène avec des personnages d'une autre planète. Mais ne me dis pas qu'ils ne vont pas servir plus tard. Pas dans ce tome-là, mais ça serait bizarre qu'ils n'en parlent pas plus tard. Vu l'échelle qui nous tende. Wow. Mais avant de sortir de ces ruines, ils activent un genre de mécanisme qui aura des répercussions désastreuses. Ça va être pas bien. On n'a pas le droit de dire à la télé. Mais on ne vous en dit pas plus parce que il n'y a qu'un tome de sortie et l'histoire ne se lance véritablement que dans les dernières pages. Et je ne devrais pas vous gâcher la surprise. Au-delà de ça, le manga est parfois un peu léger. Je m'explique. Par exemple, quand il rentre dans les ruines, il y a pas mal de pages, hein, et tout, et pourtant, il ne se passe pas grand-chose. C'est quand même dommage. On va pas se le cacher, c'est dommage. Nous, ce qu'on aime, Chris et Patou, c'est quand il y a des thèmes assez forts abordés dans une œuvre. Alors que là, le manga ne raconte que son histoire. Alors, bon, pour le moment, hein, j'entends. J'entends bien. Cela dit, cela sert à poser l'ambiance du manga et à suivre aussi les deux personnages. Ils sont drôles et on a envie d'en apprendre un peu plus sur eux. Surtout que les informations sont données par bribes. Du coup, on a envie d'en avoir un peu plus. On récolte. Ouais, ouais, ouais. Ce qui renforce le côté mystérieux d'aventurier sur les grands chemins. Et là, vous pouvez nous dire... Bah les gars, Chris et Patou, pourquoi vous parlez d'une BD plutôt moyenne dans le fond? Eh bah parce que dans la forme, c'est plutôt surprenant. En parlant de surprise, c'est le moment... Le moment... Cadeau! Vas-y, Chin-Chin! Aujourd'hui, pour gagner un super cadeau grâce à nos partenaires, il vous suffit de composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Et Chris vous posera une question. Oui, allô? Oui, bonjour, j'appelle pour le cadeau. T'es abonné ou pas? Ah non, par contre, je suis pas abonné. Mais bah va te faire foutre! Et oui, c'est bien dommage, mais c'est la vie, et la vie, c'est de la merde. Alors pour se consoler, c'est votre numéro 2, Rémi sans famille. Je m'appelle Rémi, et je suis sans famille. Et je me suicide à la fin de la série. C'est super. C'est dans une petite bourgade de l'Occitanie que nous retrouvons notre ami Rémi, harassé par le labeur qui lui apporte 3,25 € la journée. Rémi, il en a marre! 60 épisodes et toujours une vie de merde! Alors Rémi, il va aller au PMU se pourrer la gueule avec les copains! La vie est belle! Non mais je comprends bien que t'aimes bien Rémi, petit! Il est sympa, il est gentil, il avoue pour la vie, tout ça! Mais Dragon Ball, putain! Non, raccroche pas! Je te donne de la thune! Je te donne de la thune, petit! Le style du manga est carrément années 80. Il reprend tous les codes des grands animés qui... font votre enfance, actuellement. Cela dit, s'il en prend les qualités, eh ben il en prend aussi les défauts. Comme on l'a dit plus tôt, si le scénario est simple, eh bien c'est parce que il est un peu tiré de ce qu'on faisait dans les années 80. On ne demande pas à Senseiya de parler de Proust. Non, bon, alors, on ne demande pas non plus à Golem de parler de Rousseau, par exemple. Jean-Jacques ? Oui, Jean-Jacques, oui. D'ailleurs, on sent que le dessinateur, Talon, a beaucoup apprécié les dessins animés japonais. Et on peut s'amuser à voir toutes les références qui se sont glissées dans le manga. Par exemple, le héros est autant un Seiyar qu'un Capitaine Tsubasa ou avec la chevelure de Albator. Mais alors, mais depuis tout à l'heure, on parle d'animé, alors que c'est un manga. C'est quand même cocasse, faut le reconnaître. Élémentaire, mon cher Patou. Alexis Talon avait un métier avant. Dans l'animation, il était storyboarder. Mais alors, Chin-Chin, c'est quoi un storyboard? Eh bien, mon petit Patou, pose-toi là que je t'explique. C'est une suite de dessins correspondant chacun à un plan et permettant, lors de la préparation d'un film, de visualiser le découpage. Souvent, en dessous de la vignette, on insère des informations supplémentaires sur le plan, telles qu'un mouvement de caméra, la valeur du plan, etc. Mais le storyboard n'est pas exclusivement réservé au monde du cinéma. Nos amis dessinateurs commencent toujours par un storyboard. Dans le manga, certains français utiliseront le mot Nemu. Mais ça, c'est juste un mot pédant, parce qu'au final, c'est la même chose qu'un storyboard. Pour certains auteurs, c'est l'étape la plus cruciale, puisque c'est celle où l'histoire est créée, et dans le monde du cinéma,
cinéma et de l'animation, cela permet aux membres de l'équipe d'avoir tous la même vision du film. Pour dire que le storyboard est central, dans certains studios, les feuilles de storyboard sont épinglées sur tout un mur à la vue de tous. C'est énorme, non? Merci Chin Chin. Effectivement... Mais le meilleur dans tout ça... J'ai dit merci Chin Chin. Comme qui dirait dans un putain de blockbuster de l'année dernière. Tout le monde s'en fout. Du coup, dans Golem, à la place d'un manga, on a parfois l'impression d'avoir un storyboard d'animé. Attention, on n'a pas dit que c'était esquissé comme dans un storyboard. C'est plutôt super propre. Comme si on avait fait des captures d'écran dans l'animé et qu'on avait fait un bouquin avec. Et du coup, c'est un petit peu frustrant. On n'a qu'une seule envie, c'est que ça bouge. Cette impression est renforcée par l'utilisation omniprésente de trames dans le dessin, qui suggère de la couleur. Du coup, pareil, on n'a qu'une envie. C'est que ce soit en dessin animé couleur. Pour avoir vu les planches originales, bah nous, on les préfère parce qu'elles sont sans trame. Mais alors Chris, est-ce que ça voudrait dire que trop de trames tuerait la trame? Un peu, mais attention, on ne dit pas que les trames sont mal utilisées dans ce manga, non, il y a une maîtrise de fou, mais ce choix artistique assombrit énormément le dessin, et du coup on a l'impression que toutes les scènes se passent de nuit. Même si là, pour le coup, la plupart des scènes se passent réellement de nuit, hein? Du coup, le manga a un peu le huc entre deux chaises, hein. D'un côté, bah, on veut que ça bouge. Mais de l'autre côté, bah, c'est du papier. Alors ça bouge pas, mais bah, on est un peu frustré. On ressent même parfois les arrêts sur image caractéristiques des dessins animés. Vous savez, quand la caméra se fige et que le dessin devient un petit peu différent. La suite annoncée de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, sera-t-elle la consécration ultime du mythe créé par Akira Toriyama, déjà culte avant même d'être sorti? Voilà. Des promesses, comme toujours. Alors les enfants, vous allez sans doute vous dire « Chris, c'est pas tout, vous êtes quand même des fils de pute !»« Vous arrêtez pas de critiquer le manga !» Eh bien, oui mais ça dit, on veut tout le bien du monde au manga et à ses auteurs, hein, vous inquiétez pas, on a envie que ça marche. Surtout que faire un manga en France, c'est pas si simple. Hein. Et en plus, en auto-édition, c'est carrément risqué. Et parce que ce qui est génial, c'est le concept de faire du rétro-manga. Parce que oui, ça a jamais été fait. Et puis si on en parle dans notre émission, et bah, c'est que dans le fond, on aime bien. Puis on a vu l'auteur, bah, il a des haltères chez lui, il s'en sert pas mal, il mesure 2 mètres de haut, et pour notre espérance de vie, il vaut mieux être son copain. Donc comprenez que voilà, on aime bien. Mais ce mec, il est comme ça. Donc avec son concept rétro des plus alléchants, Golem doit encore trouver comment se démarquer non pas des mangas modernes, mais plutôt des mangas des années 80. Fort de son héritage, le manga doit désormais s'émanciper du simple hommage pour se trouver son identité qui lui est propre. Eh bah bon courage, hein. Ouais, parce que bon, là, Chin Chin, il est là, il nous fait des belles phrases, tout va bien, mais en vrai, bonjour le bordel. Ouais, je comprends pourquoi je suis pas mangaka, moi. Et critiquer, c'est bien, hein. C'est gratuit, c'est facile, c'est pute. Alors que créer une œuvre complexe, cohérente et compréhensible, bah très peu pour moi, hein. Et voilà, c'est sur cette note pour le moins positive que nous terminons ce numéro de Potion Talk. Pas tout, je crois que tu oublies quelque chose. Non, il n'a rien oublié. Allez, on rend l'antenne. Après, on regarde les pages de pub de merde. Et là, il y aura Jean-Pierre Bernaud à 13h pour la bête somme. On fait ça, puis après, on se met tous les deux au restaurant et tout. Allez, on regardera les petits oiseaux chanter. Je ne rendrai pas l'antenne avant d'avoir lancé le numéro 1 du classement de nos fidèles téléspectateurs. Et voici donc en exclusivité l'épisode 1 de la saison 2 de Princesse Sarah Z. Sarah Z, 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 maintenant elle en a marre. Princesse Sarah Z, 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 des mots sous les connards. Ouais, yeah.
you felt it. La vie est belle. Je me demande si la saison 2, elle serait pas à... Là, partout en France, chez ton marchand de journée, à acheter. Ouais, avec le petit fascicule que t'achètes avec la figurine. C'est pas ce sarapinte à la main, chez Alakia. On va voir. Moi, j'ai entendu des choses dessus, je trouve. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a de la qualité. Il y a une certaine qualité. Alakia, c'est pas de la merde. Et les gars, vous prenez la poudre d'escampette sans même finir l'émission? Même pas un petit salut les gens? Vous savez quoi? Moi, je vais pas me faire chier. Je me casse et je vais faire ma propre mission. Oh, les gars, c'est-à-dire que je veux partir, mais vous allez rire. La porte, elle est fermée. C'est pas pratique. C'était pas mal, en vrai, ce que faisait nos papas. Ouais. Enfin, après, c'est devenu de la merde, quand même. Hein. Je me demande pourquoi. Ils avaient peut-être... plus envie. Ouais. Tu me files tes Nemo là, enfin tes storyboard. J'ai pas envie. Bon. Je me casse. Ouais. Attends, quoi? Bah ouais, je me casse, ouais. Bah je sais pas, j'ai plus envie. Voilà. Mais moi je fais comment pour le scénar? Je vais pas m'en sortir tout seul, je suis que dessinateur. Mais t'inquiète, tu m'aides déjà à faire le scénario en fait, tu vas t'en sortir, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. De toute façon, t'es comme les autres, tu sers à rien, t'es nul. Quoi? Comment ça, je sers à rien? Non mais, oh là. On va doser, parce que bon... toi, d'abord, je sais pas comment tu vas t'en sortir, d'abord, avec des idées de merde, là, à vouloir mettre des zizi partout, on avait dit pas les zizi. On avait dit pas les zizi. Ouais. Et le loyer, hein? Je fais comment, moi? Oui, bon, bah, écoute, je t'aide une seule fois les premiers mois, et après, tu te démerdes. Je pars pour de bon. Ouais. Casse-toi. Oui, alors, bon, fais pas attention à moi. Je prends quelques affaires. Je... prends quelques slips et je pars.